Bonjour ou bonsoir. Hello, good morning, good afternoon, good evening, depending on the moment you're watching this video. Bonjour à tous, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Comment allez-vous, mes élèves du 6e B, 6e C, 6e D de l'institution Saint-François à la Côte-Saint-André? Les conditions sont difficiles, nous savons que nous sommes confinés peut-être pour plusieurs semaines. Alors voilà. Avant de parler boulot, moi j'ai envie un peu de parler en voisin, quoi. Je veux dire, comment allez-vous? Comment est-ce que vous vivez ce confinement? Donnez-moi de vos nouvelles si vous voulez. Par Skype, Frédéric 38260 ou mrmarais@gmail.com. Il n'y a pas que le boulot dans la vie, hein, on est aussi des humains et on vit une situation unique dans l'histoire, enfin, en tout cas, c'est une première dans l'histoire de l'humanité. Je voyais sur Internet que nous sommes 2 milliards 600 millions d'êtres humains à vivre dans des pays en conditions de confinement. Certains ne sont pas confinés, ils sont obligés d'aller au boulot, mais c'est pas forcément mieux. Ça fait, je crois, 40% des êtres humains vivent dans ces circonstances-là. Et c'est bien que les gouvernements aient décidé du confinement, parce que si vous regardez un peu sur Internet, vous tapez grippe espagnole, vous saurez qu'il y a eu l'équivalent. Il y a 100 ans, en 1918, donc il y a 102 ans, une immense épidémie où il n'y a pas eu de confinement et puis il y a eu des dizaines de millions de gens qui sont morts à travers le monde. Donc ils ont raison de nous confiner, mais c'est vrai que c'est difficile à vivre. Donc boulot, boulot, vidéo, exercice d'anglais, tout ça. Mais j'ai envie quand même de m'assurer que vous allez tous bien. Donc un petit message pour me rassurer, parce qu'on n'est pas que des profs et des élèves, on est aussi des humains. On se connaît, et puis voilà, moi je vous aime tous bien, et j'ai envie de savoir que vous-même et vos parents, vous allez bien. Et puis comme nous sommes dans l'enseignement catholique, j'ai le droit de vous dire une chose, c'est que je prie pour vous aussi, pour vous tous, mes prières vous accompagnent dans ces conditions difficiles, que vous soyez sensibles à ça ou pas, en tout cas moi je le fais. Et comme nous sommes dans l'enseignement privé, j'ai le droit de le dire, on serait dans un établissement laïque, je n'aurais pas le droit de parler de ma foi, mais en tout cas je vous en parle parce que nous sommes dans l'enseignement privé. Et voilà aussi une chose, c'est que spirituellement, je pense que c'est bien aussi de s'accompagner les uns les autres en fonction chacun de notre propre sensibilité. Voilà. Bon, moi je vous le dis, moi je vais bien. Moi, ouais. Mes enfants vont bien. Ma belle-mère est confiné aussi très loin. Mon beau-frère Maurice se porte à merveille. Mes poules caquettent et pondent un œuf par jour chacune. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, je fais une petite vidéo pour mes élèves, je bouquine, je lis, j'écris comme d'hab, quoi. Mais c'est vrai que vous me manquez tous beaucoup et j'espère quand même que vous retrouvez bientôt. Voilà. En tout cas, portez-vous bien et prenez soin les uns des autres. Essayez de pas trop vous chamailler entre frères et sœurs. Voilà quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin voilà, en tout cas, bon courage à toutes et à tous. Voilà, alors, nous allons maintenant parler un peu boulot quand même. C'est important aussi hein, de continuer un petit peu le travail. Je vous avais demandé pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'enregistre sur cette vidéo le mercredi 25 mars 2020, mais c'est en fait la vidéo du jeudi 26 mars. Parce que je l'enregistre la veille et puis je vais la mettre en ligne un peu à l'avance. Donc je vous ai donné pour consigne d'aller le lundi et le jeudi matin voir les vidéos sur mrmarais.online, pardon. Et puis, je vous ai dit qu'elle serait le lundi ou le jeudi au plus tard à 7 h du matin en ligne. En fait, je les mets en ligne la veille. Donc là, je pense qu'elles seront en ligne en fin de journée, ce mercredi 25 mars. Mais en tout cas, jetez-y un œil tout de suite. Hein. Mais enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner 2 heures de travail le mardi, pour le lundi et pour le mardi. 1 heure pour le lundi, 1 heure pour le mardi. Le jeudi, 1 heure pour le jeudi, 1 heure pour le vendredi. Mais vous pouvez vous organiser différemment si vous le voulez. Mais en tout cas, le document que je donne le lundi, 2 heures de boulot. Pour le jeudi, 2 heures de boulot. 2 heures et un peu plus, parce que c'est l'équivalent de 2 heures de cours plus le travail que de toute façon vous faites à la maison quand vous êtes allé au collège, parce que vous faites des devoirs aussi. Hein. Donc si ça dépasse 2 heures, c'est normal. Ça devrait faire en fait à peu près 5 heures et demie de travail par semaine.
N'hésitez pas à me poser des questions. Il y a peu de gens avec qui je suis en contact. Il y a une ou deux personnes qui me contactent très souvent, régulièrement, plusieurs fois par jour. D'autres qui me contactent deux, trois fois par semaine, mais très peu. Et puis d'autres qui ne m'ont pas contacté du tout. Il y a toujours des gens qui n'ont donné aucun signe de vie. 8 personnes en 6e B, 7 personnes en 6e C, 5 personnes en 6e D. Alors, il y en avait plus hier, donc j'ai fait mon petit rapport aux profs principaux et à la direction de l'établissement. Et là, la direction, le monsieur le directeur m'a bien demandé de le tenir au courant. Donc là, je vais envoyer un mail et je vais signaler le nom des gens qui n'ont donné aucun signe de vie. Certaines personnes ont prévenu le prof principal qu'ils suivaient bien le travail dans toutes les matières et tout ça, mais ça ne me suffit pas. Moi, je ne suis pas le prof principal, je suis prof d'anglais. Donc, je pense que la moindre des choses, c'est de me contacter sur mrmarais@gmail.com et me dire, voilà, le travail est fait. Je pense, moi, je fais beaucoup de boulot, hein. On fait tous beaucoup de travail, les profs, pour faire des cours en ligne, etc., pour être disponible sur Skype, etc. Donc, du coup, je pense que la moindre des choses, c'est de donner signe de vie. Et je suis très surpris que certaines personnes n'aient donné aucun signe de vie. Pour certains élèves, des collègues m'ont dit, ben moi, j'ai eu des nouvelles d'un tel, d'un tel, d'un tel. Moi, je n'ai pas eu de nouvelles de ces personnes et je tiens à en avoir personnellement. Si le prof principal ou le directeur me dit, moi, j'ai eu des nouvelles de tel élève, il me dit qu'il fait son travail dans toutes les matières, je n'en tiens pas compte. C'est moi, c'est Monsieur Marais, c'est prof d'anglais et j'attends des nouvelles de vous tous. Si, voilà, ça me semble quand même un minimum. Voilà. Par ailleurs, voilà, ne m'envoyez plus. Ne m'envoyez plus de travail, de vidéo sur École Directe, ni même de message. Je vous l'ai dit, je l'ai dit ça. La messagerie École Directe, c'est compliqué pour les profs, ça sature. En moyenne, pour ouvrir un message et pour regarder une vidéo, etc., il me faut en moyenne par message, rien que pour les ouvertures et les téléchargements, il me faut en moyenne 6 minutes par message. Hier, j'ai eu 10 messages, certains avec des téléchargements, il m'a fallu une heure rien que pour les ouvrir. Je ne vous parle pas du temps qu'il m'a fallu pour y répondre. Je n'ouvrirai plus et je ne répondrai plus aux messages envoyés par les élèves et par leurs parents sur École Directe. Donc, envoyez-moi un message sur École Directe. Je considère que le message ne m'a pas été envoyé et que le contact n'a pas été établi. Envoyez toute correspondance sur mestermarais@gmail.com ou sur Skype, adresse Frédéric 38 260. Si vous oubliez Frédéric 3860 ou si vous ne savez pas que Frédéric au masculin se termine par IC, eh bien dans ce cas-là, cherchez Frédéric IC Marais, Maret, Marcilliol, 2 LOLES, sur l'annuaire interne de Skype et vous me trouverez. Mais de toute façon, toutes mes adresses, je vous les ai données par message personnel. Voilà. Je n'ai actuellement contact par Skype qu'avec 5 élèves en 6B, 2 en 6C. Et 3 en 6D. C'est la seule façon de travailler l'oral. Tant pis pour les autres. C'est pas très compliqué. Pratiquement tous, vous avez une connexion Internet. Vous téléchargez Skype, quitte à le retirer après la période de confinement. Mais pouvoir travailler l'anglais à l'oral, ça me semble un minimum également. Donc faites-le, je suis très très disponible. Sur Skype, sachez-le, je ne fais plus comme je faisais open bar. Hein. C'était donc permanence pratiquement toute la journée, lundi, mardi, jeudi, vendredi et le mercredi matin. Mercredi après-midi, j'ai d'autres activités. Et puis, il faut bien aussi que je communique aussi avec ma famille et mes amis. Donc, du coup, c'est plus le cas. Il y a quand même très peu de gens qui me contactent. Mais ceux qui me contactent, du coup, il y en a qui des fois me contactent tous en même temps. Du coup, je ne peux pas donner satisfaction à tout le monde. Donc, invitez-moi sur Skype et en ce sens, on se donne des rendez-vous. Comme ça, je vous êtes vraiment sûr que je serai disponible. C'est important pour moi. Certaines personnes m'ont dit par Internet qu'elles ne lisaient pas qu'elles ne regardaient pas les vidéos parce qu'il y avait les PDF, mais c'est deux choses différentes. Sur les vidéos, je vous renvoie au PDF, je vous dis quelle partie du PDF il faut regarder. Puis c'est tout. Enfin, je comprends pas trop pourquoi vous regardez pas les vidéos, c'est quand même important. Donc du coup, on recopie les PDF, mais ça suffit pas du tout. Donc, regardez les vidéos, faites le travail au fur et à mesure, et tout ira bien. Et puis voilà. Après, à partir des vidéos, je vous renvoie au PDF, au cahier, au livre, au workbook, au répertoire. Voilà, donc j'espère que vous avez tous bien fait votre travail. Vous deviez pour aujourd'hui, entre autres choses, copier les pages, il me semble 12 et 13, du PDF. Page 12, les adjectifs possessifs. Et page 13, ça continue, puis il y a aussi une partie sur le répertoire.
Ça, si vous ne l'avez pas vu, si vous ne l'avez pas copié, page 12. Alors la date, évidemment, il fallait pas marquer de date. Il fallait marquer la date. Donc c'était la date de lundi. Et page 13. Faites-le. Alors la date de lundi, si vous n'avez pas su l'écrire. Donc du coup, je vais faire apparaître, par magie, un objet magique. Tada! Objet magique. Une ardoise. Donc il fallait marquer la date de lundi, puisque c'est lundi que je vous avais demandé de marquer ça. Et là, lundi, vous marquez, là où j'ai marqué sur le PDF, date, date, vous marquez Monday, the 23rd of March, 2020. Donc s'il le faut, si vous n'avez pas marqué la date correctement, coupez la vidéo, arrêtez la vidéo et copiez la date. Voilà. Vous reprenez à 11 minutes. ELLL. Et vous avez copié la leçon. Si ce n'est pas fait, arrêtez la vidéo, copiez la leçon au PDF qui est disponible sur mon blog. Alors, on lit ensemble les adjectifs possessifs. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois en classe, vous vous en souvenez, mais je le rappelle, on ne sait jamais. Le CF, c'est du latin, du latin, confère. On le dit en français aussi, confère, en anglais, confer, ça veut dire aller voir. Paragraphe, ce signe qui est à côté du point d'exclamation sur vos claviers, hein, c'est donc pas moi qui l'invente. Allez voir paragraphe 11, c'est à la fin de votre bouquin, ce ne sont pas les scripts, ce sont les paragraphes de grammaire dans votre livre. Et là, le paragraphe 11 de grammaire, c'est sur les adjectifs possessifs. Alors, prenez le cahier. Là, alors si vous ne l'avez pas écrit, arrêtez la vidéo, allez voir votre PDF page 12 et copiez. Et ensuite, une fois que c'est copié, revenez et reprenez la leçon. Voilà, tout le monde a copié ceci dans son cahier. La page 12 du PDF est dans tous les cahiers de mes élèves de 6e. Nous sommes bien d'accord. Tout le monde a copié. Ouais. On va bien voir ça de plus près. Ouais. Enfin bon. Les adjectifs possessifs. À peu près au milieu de la page, en bas, enfin en haut de la deuxième moitié. Ici, regardez. Là. Vous avez la partie la plus facile. Vous y êtes. My, your, are, there. My, ça veut dire mon, ma, mes. Répétez. My. J'ai pas très bien entendu là. Un peu plus fort. My. Your. Your. Are. Prononciation très différente, ça ressemble à rien. C'est pas our, c'est are. 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 Répétez are. There. My veut dire mon, ma, mes. My. Your. Vous savez qu'en anglais, il n'y a pas de différence entre le tutoiement et le vouvoiement, et qu'on parle à une personne, plusieurs personnes, qu'on tutoie ou qu'on vouvoie, c'est pareil. Donc, your, you veut dire tu. Your avec un R, your, on répète, your, veut dire ton, ta, tes, votre, vos. Are, notre, nos. There, leur, leur. Donc là, il n'y a pas énormément de difficultés. Là où il y a un peu plus de difficultés, c'est pour dire son, ça, c'est. Parce que quand on dit his name's Alistair, his name's, il s'appelle, her name's, elle s'appelle, their names are, il s'appelle au pluriel, ça vous l'avez copié dans vos cahiers déjà avant le confinement et c'était encadré. Regardez. J'ai perdu mon stylo. Casse la mienne. J'en prends un autre. Tada! His name's. Il s'appelle, mot à mot, son nom est. Comme Alistair, c'est un prénom masculin écossais. Ça veut dire Alexandre en écossais. C'est une autre histoire. Alistair. Répétez, Alistair. His name's Alistair. Ça, on l'a vu dans le cahier, dans le livre, hein, il y a déjà un moment. His name is Alistair, mot à mot, son nom. À lui, his name is Alistair.
Quand on a affaire à une femme, her name's Radia. Elle s'appelle Radia. Son, ça, c'est à elle. Her. Son, ça, c'est à lui, c'est his. En anglais, on accorde, et c'est déjà copié dans votre cahier, on l'a déjà vu, je n'y passerai pas non plus un temps infini, le pronom possessif à la troisième personne, son, ça, c'est, s'accorde avec le possesseur. Je vous rappelle ce qu'on a déjà vu. Moi, je suis un homme. Et si je dis, voilà, je suis dans mon bureau, c'est mon bureau parce que bureau est masculin en anglais. Si je vais dans ma voiture, je vais dire ma voiture parce que c'est une voiture. En anglais, pour mon, ma, mes, ça change pas. Masculin, féminin, possesseur, chose possédée, ça change pas, c'est toujours my. Mais si je dis, mon beau-frère Maurice est dans sa maison. C'est sa maison, sa voiture, son bureau, parce que j'accorde avec la chose qui vient après, avec le complément. Mais Maurice est un homme. Donc je vais dire en anglais, he is in his house, in his car. Je sais plus quel autre exemple j'avais donné. He study, 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 c'est le bureau à la maison. En fait, je vais tout accorder au masculin parce que je parle de Maurice qui est un homme. Maurice is in his house, in his study, in his car. Mais si je parle d'un personnage féminin, je vais accorder avec le possesseur. Vous le savez déjà, si je parle de ma belle-mère, par exemple, je vais dire my mother-in-law, ma belle-mère, elle est dans sa maison. She is in her house, in her car, in her study, study, si elle avait un bureau. Elle n'en a pas. Donc, du coup, my mother-in-law is in her house, in her car. Parce que ma belle-mère est une femme. Mon beau-frère Maurice est un homme. He is in his house, in his car. Donc, en français, je dis Maurice est dans sa voiture parce que voiture, c'est féminin. Ce n'est pas ce qui m'importe en anglais. En anglais, les objets sont tous neutres. Hein. D'ailleurs, c'est ni masculin ni féminin. Maurice. Maison, voiture, bureau, tout ça, c'est neutre. Mais ce n'est pas ça qui m'importe. Je vous l'ai déjà dit, ça, vous le savez déjà. Vous êtes déjà au courant, nous sommes bien d'accord. Vous avez tout appris, vous avez tout compris. C'est page 31 dans votre workbook aussi. Nous sommes bien d'accord. Donc, du coup, his name's Alistair. Son nom est Alistair, son nom à lui, mais en français on dira il s'appelle. Her name's Radia, elle s'appelle Radia, son nom à elle est Radia. Et si on parle de plusieurs personnes, their names are Thomas and David, ils s'appellent au pluriel Thomas et David. Mot à mot, leurs noms au pluriel sont. What's your name? My name's Sheldon, ça vous connaissez. Nous nous appelons Roméo et Juliette. Nos noms sont our names are. Ensuite, my, your, our, their, on vient de le voir. Donc voilà un récapitulatif. À la troisième personne du singulier, l'adjectif possessif s'accorde avec le possesseur. Si le possesseur est une femme, her égale son, ça c'est à elle. Si le possesseur est un homme, his, son, ça, c'est à lui. Et puis si le possesseur est une chose ou un animal sauvage, its, son, ça, c'est à lui ou à elle, à la chose. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire la chose? Un homme, on sait ce que c'est, un garçon, un homme ou un animal de compagnie de sexe masculin. Si j'ai un chien, je sais si c'est généralement les gens qui ont un animal de compagnie savent quand même s'ils ont affaire à un mâle ou à une femelle. On le sait, sauf un tout petit chat. À la naissance, c'est difficile à déterminer. Enfin, au bout de 2 ou 3 jours, on le sait. Donc, du coup, si par exemple j'ai un chat, moi avant j'avais un chat, c'était une femelle, elle est décédée il y a quelques années, elle s'appelait Mimolette, parce qu'elle était rousse. Donc, je l'avais appelée Mimolette. Mimolette. Enfin, bref. Alors, donc du coup, Mimolette, je disais chi, parce que c'est un peu comme un membre de la famille. Where is Mimolette? She's in the garden. Elle est dans le jardin.
Mais si elle était sur son coussin, alors coussin en anglais. J'ai perdu tout à l'heure un stylo à feutre bleu, c'est pas grave, bon, je vais écrire en rouge. Cachen. Donc ça s'écrit cuchion, mais ça se prononce crachen. Cachen. C'est un coussin. She's on her cushion. Her, H-E-R, elle est sur son coussin. D'accord? Et puis après, lui a un fils qu'on avait gardé qui s'appelait Collar Gold. Where is Collar Gold? He's on his cushion. Collar Gold était un mâle. His cushion, son coussin à lui. Nimolette était une femelle. Son coussin à elle. Her cushion. On se fiche du genre de cushion qui est neutre en anglais de toute façon, mais ce qui nous intéresse, c'est le possesseur. Collar Gold, un mâle, et Miolette, une femelle. D'accord? D'accord? Non. Maintenant, si on a affaire à une chose, si le possesseur est un animal sauvage, par exemple, par exemple, un oiseau dans son nid, un oiseau, je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle, et puis ce n'est pas l'animal de compagnie, je le considère plutôt comme une chose. The bird, et là vous l'avez page 13 sur le document que je vous ai demandé de copier. The birds in its nest. Its, c'est l'adjectif possessif pour un neutre. Animal sauvage, traité comme une chose. The bird is in its nest. Alors, regardez bien les autres exemples. En haut de la page 13 du PDF. His, son, ça, c'est à lui. Her, son, ça, c'est à elle. Its, son, ça, c'est à la chose, à l'animal sauvage. Ensuite de ça, il y a des exemples que je vous ai demandé de copier. Mrs. MRS, ça se prononce Mrs. Répétez, Mrs. Mrs. Wilson, répétez, Mrs. Wilson. Donc, Madame Wilson. Loves, troisième personne, je mets un S, her house. Madame Wilson adore, aime beaucoup sa maison à elle, puisque Mrs. Wilson, Mrs. par définition est une femme. Mrs. Wilson loves her house. Répétez, Mrs. Wilson loves her house. Monsieur Wilson, quant à lui, adore sa nouvelle voiture. Mr. Wilson loves his new car. Ensuite, j'ai donc his new car, sa nouvelle voiture, parce que Mr. Wilson est un homme. Rex, c'est un nom qu'on donne souvent à un chien de sexe masculin, un animal de compagnie mâle, et qu'on traite comme une personne, puisqu'on lui a donné un nom. Rex est dans sa niche à lui. Rex is in his kennel. On va répéter, donc répéter. Rex is in his kennel. Rex is in his kennel. Vous pouvez suivre avec votre cahier ou vous l'avez copié ou avec le PDF page 13. C'est la sixième ligne. Rex is in his kennel. Mirza, c'est un nom courant pour parler. Il y a une chanson, hein. Avez-vous vu Mirza? C'est un nom fréquent pour un chien, donc pour une chienne, un chien femelle. Donc c'est her cushion. Mirza is in her cushion. Je vais le redire et après moi vous allez le répéter. Mesa is on her cushion. The birds in his nest. J'aime cette maison et son magnifique jardin. La maison est une chose. Quand je lui dis son magnifique jardin, c'est son magnifique jardin à la maison, donc à la chose. Donc l'adjectif possessif c'est its, its. I like this house and its beautiful garden. Ça, normalement, c'est la dernière chose que vous avez copiée dans votre cahier. Voilà. Alors, s'il le faut arrêter la vidéo, regardez tout ça, apprenez et faites bien la différence entre pronom, enfin, adjectif possessif avec un possesseur masculin, avec un possesseur féminin et un possesseur neutre. Ensuite, vous revenez à 25 minutes et 50 secondes, et puis on va continuer sur la page 13 du workbook, du pardon, du PDF. Aïe, vous avez tout compris? Ouais. À
Alors, répertoire. Beautiful, catch and describe. C'est le vocabulaire de la leçon, mais avec. Donc, vous allez copier dans le répertoire, mais d'abord, ça peut sentir un peu sur la prononciation. Donc, le bas du PDF, page 13. Vous l'avez copié déjà un moment dans le répertoire, mais je vais vous expliquer tout ça. D'abord, tout ce vocabulaire de Beautiful a pillow, nous allons le prononcer. Je prononce les mots les uns après les autres et vous répétez après moi. Vous avez tous le vocabulaire sous vos yeux. Le PDF. Le PDF, c'est plus simple si vous l'avez que le vocabulaire sur le répertoire. Alors, lettre B. Beautiful. Tiens, un texto et un appel sur Skype. J'aurais dû couper tout ça. Ça fait du bruit, hein. Beautiful. Oh, beautiful. Le L, quand il est à la fin d'un mot, il ne se prononce pas le comme en français, mais O. Ça existe dans beaucoup de langues, hein. Ce son O. Beautiful. Accent tonique sur la première syllabe. Beautiful. Beautiful, il court. Beautiful. Si vous dites beautiful, c'est moche. Pourtant, beautiful, ça veut dire beau, hein? Plein de beauté. Mais si vous dites beautiful, ça ne va pas. Beautiful. On répète, beautiful. À haute voix, hein? Beautiful. My cushion. Describe. Here. Alors, c'est pas here. Here, c'est le verbe entendre. Donc, j'ai entendu là, il y a des gens qui ont dit here. On ne prononce pas le H. Here. On ne prononce pas le R français qui arrache. Here. Après moi. Here. Mouah. Garden. Quand c'est un nom, I'm in the garden, je suis dans le jardin. I garden every weekend. Je jardine tous les week-ends. Ça peut être aussi le verbe jardiner. Et ça se prononce, répétez après moi, garden. Le R s'écrit, mais il ne se prononce pas comme un R qui arrache à la française. Garden. Un jardinier, gardener. Alors, le vocabulaire que je vous donne. Je vous donne dans l'ordre alphabétique, mais après Beautiful, j'aurais pu, si c'était dans l'ordre thématique plutôt que alphabétique, puis ça vous facilite la tâche pour copier dans le répertoire. Mais j'aurais pu d'abord, après Beautiful, vous donner Handsome. Le D se prononce pas. Handsome. Ça veut dire beau en parlant d'un homme. On ne dit pas Handsome Lady, une belle femme, ou une jolie fille, on dira Pretty, ou Beautiful. Good looking, mais on ne dira pas handsome. Par exemple, je peux dire, mon fils, il est beau. Il est beau, mon fils. His Martin is handsome. Martin, il est beau. Handsome. Donc, handsome. Voilà. Un passe-temps, un loisir, une activité, un violon dingue. Tout ça veut dire la même chose. Hobby. Alors, le verbe entendre, aussi bien une oreille sans H, ça se dit ear, répétez, ear. Le verbe entendre, c'est hear. Mot suivant, K-E-N-E-L, kennel. Kennel, c'est la niche d'un chien, mais c'est aussi un chenil, on met plein de chiens, en fait. Kennel. Un nid, nest. Pretty. Joli, pretty. Un oreiller, pillow. C'est pas quand on a bu un coup de trop, hein, pillow, c'est un oreiller. Pillow. Pillow. Donc tout ça, c'est ce que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Jusque-là, tout va bien. Révisez tout ça, révisez la leçon, révisez le vocabulaire, apprenez-le par cœur, soyez capable de le répéter et de le copier, de l'écrire. Coupez la vidéo et revenez ensuite sur la vidéo. Copiez, s'il vous plaît, dans vos cahiers les pages
14 et 15. Alors, la page 14, c'est dans le cahier. Copiez-la dans le cahier. Alors d'abord, on va faire une chose tout de suite. Coupez la vidéo, revenez, donc ça on considère que c'est une heure de travail, apprenez vos leçons et votre vocabulaire et revenez à la vidéo, à, donc demain s'il le faut, peut-être vendredi 27 mars, et revenez à 30 minutes 25 secondes. Good morning, good afternoon, good evening, depending on the time you're watching this video. Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc je considère que vous revenez après avoir travaillé une heure hier, jeudi 26, que vous revenez le vendredi 27 mars. Donc, vous marquez la date, vendredi 27 mars 2020. Pour les nouvelles pages, et vous écrivez ceci pour la date. Coupez la vidéo s'il le faut, parce que je ne vais pas rester 107 ans comme ça avec la main levée. Arrêtez la vidéo, copiez la date et revenez quand vous l'aurez copiée sur une nouvelle page. Coucou. Alors, page 14. Vous prenez bien un stylo bleu ou noir, comme vous voulez, comme vous avez l'habitude. Une règle, un stylo rouge et un stylo vert pour souligner. Et vous copiez cette leçon dans votre cahier sur une nouvelle page. En anglais, les adjectifs de nationalité et les langues prennent une majuscule, ce n'est pas le cas en français. Copiez tout ça, faites bien attention, il y a des choses qui sont soulignées en couleur, soulignées dans les couleurs que je demande. Donc allez voir le PDF, s'il le faut, vous pouvez ne pas aller voir le PDF, vous arrêtez la vidéo sur image là où elle est, vous copiez telle qu'elle, en faisant bien attention à souligner dans les couleurs qui vont bien. Et quand vous avez fini, vous revenez sur la vidéo, 32 minutes 10 secondes. Coucou. Coucou. Alors, je vous explique. Vous avez copié la leçon. Point d'exclamation dans un triangle pointé vers le bas, ça veut dire attention. Prêtez attention à ce qui suit. En anglais, les adjectifs de nationalité et les langues prennent une majuscule, ce n'est pas le cas en français. Je vous explique. Si je vous dis Maurice est français, le mot français ici c'est un adjectif attribut, c'est-à-dire c'est un adjectif et il y a un verbe devant, il y a le verbe être. Donc adjectif français ne prend pas de majuscule en français. Si je dis une ville française ou un village français, Marciol, c'est un village français, une ville française, Grenoble. Adjectif, épithète. Pareil ici, française qualifie. Ville, c'est un adjectif. Pas de majuscule. En anglais, je mets toujours une majuscule dans les adjectifs de nationalité. Je dirais Maurice is French. Et je dirais a French town, une ville française. Donc c'est plus simple en anglais qu'en français. Je mets la majuscule partout. D'accord ? En français, quand je dis un français, le mot français ne qualifie personne puisqu'il n'y a rien, il n'y a pas d'autre mot. Si je dis un homme français, une femme française, c'est adjectif, mais si je dis un français, c'est un nom de nationalité majuscule. La langue française, je dis le français. Oula. Le français. Pas de majuscule. En français, French. The French, les Français. French, le français, la langue française. En anglais, majuscule, partout, c'est beaucoup plus simple. Alors, en anglais, les adjectifs de nationalité et les langues prennent une majuscule, ce n'est pas le cas en français.
Alors ensuite, je vous ai fait copier sur le PDF les noms de nationalité. Si je dis Alistair est écossais, écossais c'est adjectif. He is Scottish. Mais si je veux dire un écossais, je dirais a Scot avec une majuscule. Si je dis par exemple, elle est britannique, she is British, adjectif parce qu'il y avait un bêtre devant. Si je dis un britannique, c'est un nom de nationalité, a Briton avec une majuscule. The Britons ou British people égale les Britanniques. Ensuite de ça, vous avez un point d'exclamation dans un triangle pointé vers le haut, encore un. En français comme en anglais, les noms de nationalité prennent toujours une majuscule. En anglais, vous mettez une majuscule dans tous les cas. Ensuite, là, vous avez, je crois que c'est la première fois depuis le début de l'année, un point d'interrogation dans un triangle pointé vers le haut. Quelle est la nationalité entre un adjectif de nationalité et un nom de nationalité? Un adjectif qualifie un nom ou un pronom. A French restaurant, un restaurant français, donc français ou French qualifie restaurant, restaurant. An English town, une ville anglaise, et I'm Scottish, ça qualifie I, je suis écossais. Mais un nom de nationalité désigne la personne, ça ne la qualifie pas, il n'y a aucun autre mot pour la désigner. A Briton, a Scot, un Britannique, un Écossais. Relisez tout ça et tâchez de bien comprendre. S'il le faut, coupez la vidéo et revenez. Et revenez donc à 36 minutes 50 secondes. D'accord? Donc, tâchez de bien comprendre la page 14 de votre vidéo, de votre PDF. Coucou. Nous sommes de retour. Page 15 sur 15. Donc, on a terminé la Book to Lesson 2. Ça sent l'évaluation. Ah ah! Vocabulaire. Répétez après moi. British. C'est pas British, c'est British. Bruh. British. Y court. British. Britain. England. C'est pas tout le monde qui a répété très fort. J'ai presque rien entendu. On recommence. British. A Britain. English. England. An Englishman. Edinburgh, capitale de l'Écosse. C'est dans l'ordre alphabétique encore. Edinburgh. Et on dit Édimbourg en français. Vous remarquez que j'ai bien mis l'accent écrit sur la majuscule, contrairement à une légende qui voudrait qu'on mette pas les majuscules, qu'on mette pas les accents sur les majuscules en français. Les règles d'écriture en français veulent qu'on mette les accents sur les majuscules. Ne pas mettre un accent sur les majuscules, c'est commettre une faute d'orthographe. Souvenez-vous bien de ce que je viens de vous dire. Donc, Édimbourg en français, majuscule sur les. Donc, E majuscule avec un accent aigu. Les accents n'existent pas en anglais. Donc, Edinburgh, prononciation bizarre, parce que ça passe par les dialectes écossais. Edinburgh, enfin, la langue écossaise. Edinburgh, Édimbourg. Donc faites bien attention à l'orthographe en anglais, à la prononciation, et à l'orthographe en anglais et à la prononciation. Edinburgh. Vous êtes tous bien dans votre répertoire la lettre E. Edinburgh. Si vous n'êtes pas dans votre répertoire la lettre E, arrêtez la vidéo, revenez à 38:55 et on va continuer de prononcer. Répertoire à la page E. England. On répète, England. An Englishman. English. Edinburgh. Lettre F de votre répertoire. France. Pas confondre le pays, ses habitants. France, c'est la France et French, c'est français. France. Ce n'est pas France. Là, je ne vous enseigne pas l'anglais avec l'accent du Minnesota au fin fond des États-Unis, hein. Mais avec l'accent de l'Angleterre. France. My. France. French. Français. A French town, une ville française. Un Français. A Frenchman, en un seul mot. Hein, c'est attaché. Frenchman.
On répète, a Frenchman. Une Française, a Frenchwoman. On répète, a Frenchwoman. En un seul mot. La Grande-Bretagne, pareil, c'est dans l'ordre alphabétique. Great Britain. Great Britain. On répète à chaque fois. Great Britain. Lettre L, London. Allez maintenant dans votre répertoire à la lettre N, là vous avez copié Northern Ireland. Répétez Northern Ireland. L'Irlande du Nord. Les Nord-Irlandais ou un Nord-Irlandais. Northern Irish. Les Nord-Irlandais, Northern Irish people. L'Écosse. Pas d'article. On ne dit pas The France, on ne dit pas The Great Britain, on ne dit pas The Scotland, on dit France, Great Britain, Scotland. Répétez, Scotland. Adjectif, Scottish. Un qualificatif, par exemple, une boisson écossaise, a Scottish drink. Répétez, a Scottish drink. Bon. Un Écossais, sans autre mot, c'est juste le mot qui qualifie, enfin, qui désigne la personne, a Scot. Scot. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot, donc ce n'est pas un adjectif, c'est un nom. Quand c'est adjectif, c'est Scottish. Le pays de Galles. W. Vous allez à la lettre W, le pays de Galles. Wales. Gallois. Welsh. Donc vous apprenez tout ça. Et vous revenez. Donc vous apprenez tout, hein, tout doit être su, et vous allez être évalué à la rentrée, au retour de confinement. D'accord. Donc vous apprenez tout ça, et vous revenez me voir lundi prochain. Entre-temps, n'hésitez pas à me contacter par tout moyen à votre convenance, mrmarais@gmail.com ou par Skype, mais pas sur École Directe. Goodbye!